Salut les geeks et les geekettes, c'est Mister Buenas. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo découverte des trophées du jeu Call of Duty Black Ops 3. Vous avez été nombreux à me le demander sur Twitter, donc c'est chose faite maintenant, puisque je vais vous montrer tout de suite les trophées de Black Ops 3. Donc certains m'ont demandé car ils n'avaient pas le jeu tout de suite, et d'autres par curiosité, je pense, pour le platine ou autre. Alors, nous avons plusieurs trophées comme d'habitude liés à la campagne. Hein, les trois quarts en général sur Call of, c'est lié à la campagne. Désavoué, terminé Black Ops en commando, vétéran ou réaliste. Terminé Nouveau Monde en commando, vétéran ou réaliste. Mario termine dans les ténèbres en commando, vétéran ou réaliste. Terminé Provocation en commando, vétéran ou réaliste pour le ventre de la bête. Dans l'abîme, bon, c'est toujours lié au niveau de difficulté. En gros, ça, vous pouvez pas les louper, tout cela, je pense. À part... Ah si 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 on fait en facile je suis con. Mais sinon pour moi en général je fais au moins en vétéran. Il y a un nouveau mode de difficulté qui est apparu sur Black Ops 3, c'est le mode réaliste. Donc tout ça c'est lié vraiment à l'histoire du jeu. Trophée masqué. Je pense aussi que ce soit lié à l'histoire du jeu. On ne bouge plus, éliminer 6 ennemis touchés par un essaim aveuglant. Ou un pyro S1, artillerie lourde, éliminer 5 ennemis en utilisant une charge de force motrice, piqûre de rapace en mode campagne, éliminer 20 ennemis en contrôlant un rapace, en mode campagne, éliminer 10 ennemis en moins de 3 secondes, ça va être avec un lance-grenade ou un truc du genre, découvrez tous les objets à récupérer dans la campagne, en mode campagne, éliminer 5 ennemis avec armes différentes, gagner toutes les décorations. Alors, en mode campagne, débloquez tous les camouflages pour une arme. Prenez le contrôle d'un ASP. Découvrez tous les objets à récupérer dans une mission. En mode campagne, éliminez 5 ennemis à une distance supérieure à 100 mètres. En mode campagne, éliminez un ennemi à travers un mur ou un obstacle. Pif paf boum, poum. Éliminez 3 ennemis avec un combo au corps à corps. En mode campagne, courez sur un mur sur 250 mètres. Gagnez l'or dans le simulateur d'entraînement. Utilisez une unité GI ennemie pour tuer 10 ennemis. Éliminez 3 rapaces en faisant exploser une seule grenade dans les airs. Améliorez un cybernoyau au maximum. En mode campagne, débloquez tous les accessoires pour une arme. En mode campagne, éliminez 5 ennemis paralysés en moins de 3 secondes. Trophée masqué une nouvelle fois. Le début de la fin dans Shadow of Evil. Accomplissez tous les rituels. Dans Shadow of Evil, repérez l'homme de l'ombre 5 fois au cours d'une partie. Encore des gobblegums. Dans Shadow of Evil, achetez et mastiquez tous les types de gobblegums de votre pack. Dans Shadow of Evil, tuez 10 zombies se trouvant à l'intérieur d'une boutique en une seule partie. Utilisez non pas l'atout. L'attaque du bouclier à propulsion pour tuer 10 zombies en 10 minutes. 10 zombies minutes en une charge. Non, 10 zombies minimum en une charge. Ça peut être assez chaud à faire celui-là. Dans Shadow of Evil, invoquez le protecteur civil dans chaque quartier en une seule partie. Dans Shadow of Evil, tuez 10 zombies piégés par une grenade sanglot de veuve. Dans Shadow of Evil, tuez 2 margois en une seule manche. Je sais pas du tout ce que c'est. Hein. J'ai essayé qu'une seule fois le mode zombie. Dans Shadow of Evil, tuez 5 parasites en étant dans le train. Bienvenue au club, atteignez le rang sergent niveau 10 en multijoueur en jouant en ligne. C'est rare qu'ils mettent ça quand même sur les codes. Atteignez le rang marshal niveau 55 en multijoueur en jouant en ligne. Donc ça, 55, c'est la limite pour passer le prestige. Spécialiste tactique, obtenez 5 médailles en lien avec vos capacités de spécialiste dans une seule partie. Spécialiste mortel, en gros, il faut faire une triple avec un spécialiste. Je l'ai fait, c'était pratiquement à ma première partie, je crois, avec Ruine, j'ai déglingué tout le monde. Bah voilà, je vous ai fait cette petite vidéo, du coup, sur tous les trophées de Call of Duty Black Ops 3. C'était Mister Buenas, bon jeu, et je vous dis à la prochaine, ciao ciao!